Por ti mi corazón palpita, siempre he sido tu chiquita. ¿Cuántos te amos van ahorita? Yo ya perdí la cuenta. Quiero decirte que te amo. Ya van segundos y te extraño. Que dure siempre esta casualidad. Es que los otros no entenderán lo que se siente ser amigo y ser tan buen amante. Baby, un poquito más. Que dure siempre esta casualidad. Yo lo sé, que te enamoraste y yo, bebé. Real no soy perfecta, amor que me inyectas. No me dejas quieta, yeah, yeah. Soy tu bebecita, yeah, yeah. Espero ya mis páginas donde no están escritas. Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes mardi 10 novembre. Aujourd'hui, encore une fois, les enfants sont à l'école, mais ils vont rentrer ce midi pour manger à la maison. De toute façon, je vous l'ai dit, il n'y a que le lundi où je les laisse à la cantine. Ça me permet de m'avancer, tout ça, et d'ailleurs j'ai bien, enfin je me suis bien avancée hier sur un certain nombre de vidéos et de choses que j'avais à faire, donc ça c'est top. Aujourd'hui, enfin d'abord, je voulais revenir sur le site MochiUp, puisque vous avez été nombreuses à me poser des questions, parce que quand vous allez sur ce site là, on vous met en fait que le site n'est pas fiable. Alors j'ai contacté la marque et tout, comme c'est un site qui est nouveau, apparemment il est classé dans les non fiables parce qu'il n'y a pas assez de recul a priori pour dire que le site est fiable. Voilà les explications. Après, il y a eu beaucoup de vidéos sur YouTube justement qui parlent de MochiUp. Il n'y a pas de souci avec ce site. Je vais pouvoir donc maintenant m'attaquer à ma pièce du jour au niveau du ménage, et aujourd'hui c'est la cuisine. C'est pas la pièce que je préfère en termes de nettoyage puisque c'est tout le temps sale, voilà. Enfin, disons que la cuisine, on la fait déjà plus ou moins tous les jours. Quand je dis que vraiment aujourd'hui ça va être approfondi, enfin c'est vraiment le ménage de la semaine de la cuisine, voilà. C'est la hotte, c'est le lave-vaisselle, c'est toutes ces choses-là que je vais faire vraiment en profondeur pour avoir une cuisine propre. Puisque la cuisine, même si c'est pas ce qu'il y a de mieux à nettoyer en termes de... Enfin, moi c'est pas la pièce que je préfère nettoyer, mais c'est la pièce que je préfère une fois qu'elle est nettoyée, c'est ça. Une fois qu'elle est nettoyée, je m'y sens vraiment hyper bien. C'est vraiment le cœur de la maison, la cuisine. C'est là qu'on prend, qu'on se lève 50 fois pour faire son thé, son chocolat, son café. Et quand c'est pas propre, franchement, on n'a pas envie d'y aller, quoi. On y va un peu à reculons. On n'a même pas envie de se prendre un thé, un café, parce que du coup, la cuisine, elle est repoussante. Elle nous dit non, non, n'y allez pas. Donc ouais, non, c'est quand elle est bien, quand c'est propre et tout, la cuisine, c'est vraiment la pièce pour moi la plus importante de la maison. Donc là je vais aller la nettoyer et après je pourrais me prendre 15 chocolats, moon milk et compagnie aujourd'hui. Et je vais faire ça en musique. Je vais vous expliquer, j'ai reçu un haut-parleur qui est vraiment génial. En fait il est waterproof, donc on peut aussi l'utiliser dans la douche. Enfin je veux dire, c'est les éclaboussures d'eau dessus, ça va pas le... Enfin, il continuera de fonctionner, il n'y a pas de souci. Vous pouvez l'emmener dehors, faire des parties en plein air et tout. Ça fonctionne également et il a une puissance incroyable. Donc là pour me motiver ce matin, puisque oui j'ai besoin de motivation vu le temps tout gris qu'on a, je vais mettre de la musique et je vais pouvoir nettoyer en musique à fond. Et je vais prendre mon appareil avec moi partout où je vais nettoyer. Je vais vous montrer ça, il est vraiment génial. Pendant ce temps, Anthony continue d'enlever la tapisserie. Continue. Continue de laisser ça par terre aussi. Continue. Bonjour. Bonjour. Faites quoi? T'arraches et ramasser, tu connais ou pas? Ah non, non, c'est d'abord on arrache tout. D'accord. Et après on ramasse tout. Ou pas, parce qu'après c'est le travail. Ou pas. Et on laisse ça en plan. Et voilà. Et voilà. C'est pour Conchita. Conchita, ouais, c'est ça. J'ai un petit peu commencé ce matin à ranger. Commencer seulement, voilà. Et là je vais finir tranquillement tout ça, le nettoyage de la hotte, le lave-vaisselle, mais là il est en train de terminer, voilà, le four il a été fait, donc ça c'est bon, déjà de ce côté-là je suis tranquille. Et donc pour ce faire, je vais écouter de la musique. Voilà, je vais écouter de la musique, on dirait pas comme ça, mais c'est un haut-parleur. Il prend vraiment pas de place, il est pas lourd, il est juste parfait, c'est la marque Votomi. Voilà, et je vais vous montrer comment ça fonctionne, mais c'est super simple.
Là, il suffit de mettre son portable en Bluetooth ou son ordinateur ou peu importe d'où provient votre musique. Et ensuite, je vais vous montrer, c'est très simple. Donc là, on allume. Voilà, donc là, il va clignoter en bleu. Le Bluetooth est activé, donc il va rechercher les appareils Bluetooth à proximité. Voilà, et donc là, il est connecté directement. Donc c'est le VT360, il est connecté pour les appels et les sons. Donc même si vous voulez parler dedans, vous pouvez, c'est possible avec le téléphone par exemple, et que vous voulez pas mettre votre téléphone à l'oreille, vous pouvez parler. Ça c'est vraiment top quand vous voulez faire votre ménage, mais en même temps on vous appelle, voilà, et vous voulez pas avoir les deux mains prises, vous pouvez l'utiliser comme haut-parleur, et ça c'est top. Vas-y, tu peux parler? Ouais, tu m'entends? Ouais, 1-2, 1-2. 1-2, 1-2, micro. Voilà, donc là c'est Anthony qui vient de m'appeler. Voilà, il est en train de m'appeler, on fait un test et vous voyez, ça fonctionne très très bien. Sinon, donc pour la musique, c'est pareil, c'est super simple. Là, moi je passe par YouTube Musique, mais vous pouvez passer par Amazon Musique ou n'importe quel truc que vous avez de musique. Et ensuite, vous choisissez la musique. Donc là, je vais mettre une musique que j'ai, sur lesquelles j'ai des droits d'auteur pour pouvoir tester, parce que sinon, je vais pas pouvoir. Donc là, je vous mets la musique d'intro de ma chaîne YouTube. Voilà. Et après, vous pouvez gérer le son. Grâce à la musique, j'ai réussi à me motiver comme jamais. Voilà, grâce à cette petite bête que voici, j'ai pu me motiver également pour faire le repas de ce midi. Du coup, le facteur vient de sonner à la porte et j'ai reçu ma commande Verbaudet. C'est pas un partenariat, c'est une commande que j'ai achetée il y a plus de 2 ou 3 semaines de ça, et je viens seulement de recevoir les produits, mais vaut mieux tard que jamais. J'avais aussi commandé une couette pour la chambre de Victor et William, et une housse de couette, parce que j'avais pas encore de couette pour le lit évolutif. Il avait une couette, mais qui était trop grande, c'était une couette d'un lit normal, et ou alors sinon je mettais un plaid. En fait, parce qu'il fait quand même assez chaud dans les chambres, donc je mettais juste un plaid en guise de couette et de couvre-lit. Donc là, on a enfin reçu la couette et la housse de couette, donc ça c'est une bonne nouvelle, et on a reçu ça en deux temps. Voilà, donc on a reçu le linge de lit en premier, et là on a reçu le reste. Je vais vous montrer, c'est trop mignon, j'ai pris dans la collection de Noël, parce que oui, je suis à fond dans Noël, ça se voit, et j'ai laissé ma coiffure là comme ça. Et Anthony me dit que je ressemble à Zézette. Vous savez, Zézette dans Le Père Noël est une ordure. Donc moi, je trouve pas. Au contraire, je trouve que ça fait un côté un peu swaggy. Donc, c'est parti, je vous montre. J'ai pris ce pull, je sais même plus c'est quelle taille, en 8 ans, pour Arthur. Franchement, il est trop beau. Trop mignon, trop cutie, avec écrit Hello Winter dessus. Ça va vraiment lui plaire. J'ai pris le même pour Victor, forcément, sinon ça va être la guerre. J'ai pris le même pour Victor et je vous ai pas dit le prix, mais en fait je crois que le prix est pas écrit dessus, je sais plus, franchement je sais plus du tout. Voilà, donc ça c'est le même pour Victor. J'ai pris pour William pas exactement le même, parce qu'il faisait un autre modèle, et pour William c'est juste parfait. Je vais vous montrer. Celui-ci, c'est toujours le thème de Noël, mais avec un dinosaure bleu dessus.
Donc là, il va être dingue. Il va être juste dingue quand il va voir ça. Et moi, je vais être juste dingue parce que je vais craquer tellement que ça va trop leur aller, je suis sûre. J'ai repris un pantalon. Bon, je vous prends avec mon autre caméra. C'est pour ça que c'est un petit peu différent au niveau de la qualité. Normalement, il n'y a pas trop... Enfin, si, il y a juste une différence de couleur, je trouve. Bon, alors, du coup, j'ai pris ce pantalon-là pour Victor, il me semble. 6 ans, c'est Victor. Donc, j'ai pris ça. Je lui ai également pris un pyjama comme ceci de Noël. Les autres, ils ont encore pas mal de pyjamas dans leurs affaires, mais Victor, c'est pareil, il a plus beaucoup de pyjamas. Et puis, c'est pas n'importe quel pyjama. Là, c'est le pyjama comme ceci, Mickey de Noël. Donc ça, il va être juste dingue. Je vais filmer sa réaction après, vous allez voir. Il adore tellement Mickey, et le bas, il est comme ceci, trop mignon. Et il est vraiment dingue de Mickey, vraiment, vraiment trop. Donc ça, ça va le rendre dingue, et c'est du 6 ans. J'ai pris du 6 ans pour Victor. Pour Arthur, je lui ai pris une veste, parce que sa veste de l'année dernière, qu'on avait aussi achetée chez Verbaudet, il l'a arrachée sur le côté, et impossible de reprendre ça, en fait. C'est une matière un peu particulière, si vous voulez, c'est pas du tissu. Donc bref. Donc je lui ai pris une veste, comme ceci, qui est vraiment sympa. Je crois que c'est la dernière collection là qui est en vente, voilà, là. Elle est la veste à 54€, il me semble. Mais elle a l'air super chaude. Franchement, elle a l'air super chaude. Et là, il commence à faire très froid dehors. Donc, pas tous les jours non plus. Enfin, le matin, surtout l'après-midi, ça va encore, je trouve. Mais le matin, on se les caille. Donc là, franchement, il va être trop bien avec ça. Par contre, elle n'a pas l'air très très grande. Pourtant, j'ai bien pris du 8 ans. Mais Arthur, il est assez grand. Enfin, il est grand. Donc, c'est pas toujours évident de lui trouver... Enfin, les vêtements durent pas longtemps sur lui. Mais elle est vraiment sympa. Avec la fourrure comme ça, j'aime beaucoup. Et voilà. Voilà, voilà pour les petits achats pour les enfants. Les achats là, parce que c'était vraiment urgent que je leur prenne des petits pulls, une petite veste et un pantalon. Donc là, je vais ranger tout ça et je vais commencer à mettre la table. Anthony part à l'instant, là, tout de suite, chercher les enfants à l'école. Ça regarde. La poloche. Et regarde, Victor. Victor. J'ai Mickey, papa, Victor. Tu veux voir? Ah. Il te plaît le pull ou pas? Bah oui. Oui. Regarde ta veste, elle est là, elle est pareille que Pierre. Tiens ta veste, Arthur. Elle est pas... Bon, bah elle te va bien cette veste. On dirait qu'elle est un petit peu juste, non? Hein? Non, c'est un t-shirt, non? Regarde, au niveau de là, ça a l'air un peu. Papa, au niveau des bras, c'est un truc de Mickey Cat, c'est pareil, t'as pris un fou. On va voir ce que ça donne parce que ça a l'air. Non, Ryan. Non, c'est pour le même que Ryan, c'est le même que Pierre. Ça a l'air un petit peu serré. Mais c'est là. Il a des Kellogg's dans le ventre. Ouais, beau gosse. Beau gosse. Bon, du coup, je vous reprends. Il est 16h. Moi, j'ai pu m'avancer à fond dans mon vlog, dans celui-ci. Comme ça, quand les enfants vont rentrer, je vais pouvoir directement faire les leçons avec eux, même s'il n'y a pas d'école demain. Comme ça, on sera tranquille, ça sera fait. Et on n'aura pas besoin de faire ça mercredi, mercredi demain, quoi, du coup. Donc on va faire ça là, et moi au moins j'aurai terminé quasiment mon vlog, et ça c'est vraiment une très très bonne chose, j'ai pu m'avancer, et ça c'est top. Donc là je me suis préparée une petite boisson, franchement, ultra 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 cosy. Voilà, donc là en fait c'est un peu comme le moon milk que je vous avais dit l'autre fois, sauf qu'à la place de mettre que du lait d'avoine, j'ai mis donc plus de lait d'avoine quand même, et j'ai rajouté une pointe, enfin une grosse pointe, de lait concentré sucré, puisque j'ai vu que ça se faisait, on pouvait mettre le lait concentré sucré dans des boissons pour avoir quelque chose de très crémeux. Là j'en ai bu un petit peu, mais c'était vachement plus crémeux tout à l'heure. Et ensuite il suffit de mousser avec le mousseur à lait. Et aussi, je vous ai pas dit, mais j'ai mis un petit peu de vanille à l'intérieur, de la vanille en poudre, et c'est super bon. Franchement, c'est juste parfait. Donc là je vais profiter de la dernière demi-heure de calme dans la maison, ça fait vraiment du bien, j'en profite quand il y a du calme comme ça, même si les enfants c'est pas des monstres, mais quand même, quand ils sont là tous les trois, voilà, et ça fait du bruit, quoi. Donc voilà, ça va me faire du bien, une petite demi-heure tranquille. Je vais boire ma petite boisson. Je vous disais aussi que par rapport au sapin de Noël, j'allais pas le faire là maintenant, parce que je trouve que c'est encore un petit peu tôt pour le sapin. Je vais pas le faire, non, j'ai pas changé d'avis, mais par contre on a trois petits sapins pour les enfants, et comme eux ils sont vraiment super impatients de le faire et tout, ce qu'on va faire c'est que demain le 11 novembre, vu que ça sera une journée où Anthony sera à la maison, ça va être voilà en famille,
voilà, en famille, tranquille et tout. Je pense que demain, on fera la déco du sapin pour les enfants. Voilà, leur petit sapin, eux, c'est... ils vont s'occuper de leur sapin, ils vont mettre les boules, je vais leur donner un petit panier de boules à chacun, et ils vont pouvoir faire leur déco, voilà. Leur petite déco, ça leur fait tellement plaisir, et beaucoup m'ont dit en commentaire que vous... j'étais pas la seule en fait à vouloir commencer les décos de Noël aussitôt. Je pense que oui, c'est le climat effectivement, c'est tout ce qu'on entend à la télé, c'est les... toutes ces mauvaises nouvelles, tout ça, ça nous donne envie de s'évader, voilà, et moi je trouve que Noël... c'est une période qui est magique. Des fois, il faut pas grand-chose finalement pour être heureux, pour se créer sa petite ambiance, son univers et pour se sentir mieux. Donc bah moi en tout cas, dès qu'on arrive dans cette période-là, je suis super contente. Je sais qu'il y a plein de gens qui dépriment quand c'est l'hiver, quand c'est Noël, mais moi pas du tout. Donc moi, je vais en profiter pour clôturer le vlog maintenant, dans le calme, sans cri, sans rien. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.